Bon, du coup, je fais la partie 2 de la tier list des meilleures et des pires salles de sport, donc tu mets un petit like à la vidéo et c'est parti. Allez, on air, franchement, ça va dans incroyable direct. Bon matériel, la salle est trop stylée, il y a un seul petit souci là-bas, c'est qu'il y a tellement de mecs chauds que t'y vas et t'as l'impression d'être skinny. Et franchement, des fois, ça met pas bien. Les home gym, franchement, j'aurais bien mis ça dans incroyable parce que t'es tranquille, tu fais ta salle de sport chez toi, dans ton garage, mais moi, je vais la mettre que dans bien parce que je trouve qu'il manque un petit quelque chose, tu vois. Moi, j'aime bien la salle de sport avec les gym bros, tu vois, on s'entraide pendant l'entraînement, on discute un peu, après, à la fin de la séance, on va tous dans les vestiaires, je trouve ça kiffant. Oula, bizarre ça encore. Les salles old school, franchement ça je le mets dans incroyable. L'ambiance là-bas, elle est ouf. T'as des papis sous testostérone qui vont te donner des petits conseils. Et tu sais, t'as toujours le mec qui te dit « Ouais, mais moi quand j'avais ton âge, je benchais 200 kilos facile mec. » Non, franchement, le matériel il est bien rouillé, ça pue la testostérone, c'est vraiment des salles incroyables. Like et abonne-toi si tu veux la partie 3 mec.